Oui, c'est pire que le scénario égyptien, mais c'est le même scénario pratiquement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, ou l'être, mais je suis comique, ou l'être, je trouve pas le mot. بصح والله ما هي الغلطه تاع الشعب، الغلطه تاع كلاب الزوبيا بكل كيما راهم بكل توس كون شكلوا قياده خرجوا راحوا غير لتونس وداروا مؤتمر وشكلوا قياده سياسيه. كون تبعوني اون 2018 كي قلت لهم نخلقوا جبهه سياسيه باش نواجهوا النظام في 2018، لكن بكل خماجات انتهازيين منافقين خونه حركه عمالة. كاين اللي عنده صفة من الصفات هادو، كاين اللي لمهم بكل تو سامبلومون. الوضعية وين هي؟ راهي هنا، راهي هنا تو سامبلومون. شوفوا نقول لكم حاجة، والله يعياو دي كارتي غير ما تقدروا تدخلوهم، تدخلوهم باللي سي باسي. ودرك يبداو لي كيدنابينغ والاختطافات والدوموند دو رونسون ولا بياس ديتاشي اومان. مازال 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 مازال. لوفي فو لوفي فو. واش معاني ما نهضرش مع الناس اللي تبع حمار دي زاد والبهيم تاع زيطوط والبغالونا، غادي نهضر على الناس اللي حابه تضرب على الجزائر وتحوس على طريقه قياديه كيفاه تضرب على الجزائر. نوصم لا برك، مي حنا اون لاشرا با الكومبا، والله ونقعدو وحدنا اون لاشرا با الكومبا. سلمياتنا اقوى من رصاصهم. انا رايحين نمشيو لجنيف، انا رايحين نمشيو لونو. خلاها قدا في كلمه طز فيكم وفي لونو كاع، مي فون فالي ريان، نتوما مرات لونو كامله. كون البي دي جي تاع توتال يعيط لونو يقولها اركسي تركس. مي كيسك فو كرواي توما؟ واش فاهمين؟ فوالا دونك جوفر اوز ابيل. دونك سي فو فولي بوزي لي كيستيون كو فولي. اون توكا درك الحمد لله سي ماتنا وماشي بلو تار. درك نورمالمون الشعب فهم شكون اللي صح يحب البلاد وعنده خطه وبرنامج، وشكون الحمار اللي ينهق سون ريان فار. Farid Ahmed, si vous voulez intervenir avant que je reprenne les appels. Non, moi, je voudrais bien intervenir, Lies, concernant la Belgique, puisqu'on y est. Il y a des gens qui se présentent, évidemment, aux élections. Quels gens? C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Il y a un certain Brahim qui a travaillé au consulat, qui a été renvoyé. C'est un article sur le Khabar qui est paru parce qu'il trafiquait les passeports. Il perd passeport, hein, les ados qui m'ont donné un etc. Maintenant, il revient. Après, je dis à ça, c'est sérieux. Maintenant, il revient. Donc, en temps, il se présente en tant que député. Il faisait partie du Mostakbel, mais pas Ichor. Bah, pas Ichor, parce que, parce qu'ils avaient peur avec le trafic qu'il avait fait au consulat. Il a été renvoyé et exclu du consulat. Maintenant, il revient. C'est un habitué du trafic du bourrage des urnes, Marouf, ici connu. Il y a une autre dame, une foulardée, qui s'appelle Madame Benterki Fateha. C'est la seule association satellite du consulat actuellement. Ils profitent des enfants malades, des compagnies. Ils font aussi des repas pour les sans-papiers. Ça, il faut le reconnaître. Mais son association n'a jamais mis un bilan par terre pour voir ce qu'il en était. Mais pire que ça, c'est que ces gens trompent un petit peu le peuple. Et maintenant, elle se présente aux élections avec l'appui certain du consulat. Parce que, d'ailleurs, l'appui du consulat est d'un certain Mustapha, ancien député du FLN, ex-beau-frère, ma rebeche, il est partout, ma rebeche, ex-beau-frère de colonel Kamel Rizki, qui n'est autre que l'ami de Shafiq Mosbah, et travaillait au même cabinet en petit. Voilà un petit peu l'historique ici en Belgique. Il n'y a pas de starter qui est déjà lancé, mais bon, ce n'est pas des chevaux de course, hein. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant.
cela, bien sûr, il va appuyer certainement la Panthère qui l'a foulardé. Je ne sais pas. Ici, en tout cas, les Gaulois de Charleroi, comme on les appelle, comme ils ont arrêté le vote, donc, à la présidentielle à Charleroi. Hein. Ils ont fermé les bureaux. Ils n'ont pas pu voter à Charleroi. Les gens ont dû se déplacer au consulat à Bruxelles. Oh, ils ne l'ont pas fait avec violence. Ils se sont simplement mis en masse devant le bureau de vote, pacifiquement. Canut des Rouchois, c'est-à-dire Brochette et compagnie avec l'autre main, ils étaient une centaine ou 150. Et je pense que les policiers ont sympathisé avec eux. Ils ont compris le message qu'ils voulaient lancer. Parce que même ici, les gens, les Belges et la population, à Charleroi notamment, ils s'intéressent parce qu'il y a une forte communauté quand même. Donc, ils s'intéressent à eux. Ils voient bien ce qui se passe en Algérie, Nasser Hadro, Iskiolom. Donc, les gens sont un peu aussi sensibilisés. Voilà un petit peu le point pour faire plaisir à la dame qui nous a rejoint du Canada. Merci. Donc c'est toujours le même cirque. Ils vont bourrer pendant que... Parce qu'ils glouquent. Ils sont très... Tu sais, Lies, ils sont d'une intelligence débordante. Ils glouquent. Vous pouvez avoir un représentant, par exemple, pour les bureaux de vote. Et évidemment qu'à 6 heures, le bureau de vote, il ferme. Donc avant 6 heures, c'est vrai, il n'y a pas de bourrage. C'est après 6 heures qu'il y a le bourrage. S'il y a 10 votants le matin, le lendemain, tu les retrouves à 4000. Tout à fait. Bon, ça c'est clair. Parce que la population des votants, l'IS. Hein? Non, mais je sais. Ah, classe. Voilà un peu la situation. Donc la population algérienne en Belgique, je leur lance un appel, mettez-nous bien. هذو كاع يحوسوا يديو 30 مليون في الشهر ولا ما على بالكم ما على بالهم بكم اي جو رونس ان اوت ميساج جو ديفي توت الجيريان ابيتان ان بلجيك دو مي دير كو دون سا في ان بلجيك il y a eu un député qui l'a défendu ou qui lui a rendu service. Ça n'existe pas parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils ont 30 millions, ils n'ont même pas un bureau de permanence. عندنا واحد في الاسبان تيبي كوما يسابيل يصغير على فيسبوك ايتو صباح يقول لك لي لين فون اوفغيغ دو موا مانتو صافي ان نو قال لك بوتيتر او موا جوان ميم لوي ني با سور بالمداح ولا بالمداح ولا تي بورت توس دي نو افيك اون كونوتاسيون ما على بالناش منين جابوهم كاع فوالا ان بتي بو لا سيتياسيون ايسي ان بلجيك. Donc, l'émigration algérienne en Belgique, la population algérienne en Belgique, il faut mettre nos chadous. C'est-à-dire, mettre nos nichanas, chauffe au barque, où est-ce fait à l'écho, où est-ce déroule le tous les députés, je cite tous les députés, des députés en Belgique, ils sont faits quand il y a un ministre qui vient pour rassembler sa drogue, beaucoup de vendeurs de voitures, parce que c'est le commerce qui marche le mieux, et bien, ils sont triés, ils amènent évidemment l'imam de Marchienne, parce que lui, bon, il mange à tous les râteliers. Hein. Il vient d'Algérie, donc il ne connaissait pas de râtelier, il est arrivé ici, il a trouvé trois râteliers, il mange à tous les râteliers. Donc ils sont liés. La mosquée de Marchienne à Djouzérine, à Romilto, les Marocains, c'est les Marocains qui vont la prendre. On a rappelé le hal parce qu'on a contribué, la famille Bouakez a contribué à sa construction. On a dit « Baba, je suis un peu plus de gris ». Et d'où est l'ouest, il a construit la mosquée ou Terbah. On fait Terbah à l'Iaouskine parce qu'il y a un peu plus de gris. Les autres là. Voilà. Il y a la mosquée, monsieur. Libra, Isri, Djadj, Tomate, je vais faire les commerces dans la mosquée. Voilà un petit peu la situation en Belgique.